Donc cette partie est à vous là, celle-là. Cette partie est à nous. Ouais, ok, d'accord. Voilà. D'accord. Donc il y a déjà ça. D'après Georges, on peut isoler avec ces méthodes spéciales, je sais pas. Sur le champ, je sais pas quoi. Oui. C'est du placo. Moi, je suis en train de faire du placo en bas. Bon, oui, voilà. Bon. On fait quand même au niveau, quoi. Ouais. Alors, c'est une cheminée qui fonctionnait, ça. Ce qui fonctionnait, qui fonctionne plus, il faut refaire tout le conduit. Par contre, vous avez un magnifique four. Ah ouais. Je vous les couvrir. Qui traverse, ça fait un mur de... Là, il n'y a pas besoin d'isoler. Hein. Le mur, il fait 1m50, vous allez voir. Ouais, d'accord. Alors, attends, ils faisaient leur pain là-dedans. Regardez. Oui, la vache, oui. La profondeur du four. D'accord. Et en état de fonctionner, hein, en plus. Ah oui, mais il faut refaire le conduit. Et il faut refaire tout le conduit là-haut. Ah ouais, ça, et le conduit se casse la gueule. Hein, c'est... Il se casse la figure, le conduit. Avec le toit, hein, c'est... Oui, voilà. Bah, le toit est à refaire, donc ça aussi. Par contre, le four, s'ils veulent le garder, ils peuvent le conserver. C'est magnifique, hein. Vaut le coup de garder ça. Ah, ouais. Ouais. Et le truc à cendre dessous. Ouais. Voilà. Ouais, ça a pas l'air mal, ouais. Ouais. C'est l'ancien système, quoi. Bon, voilà. Ah, mais c'était plus le château, hein. Alors, ça... Et pourquoi vous l'avez appelé le château? C'était parce le que château. C'était sur la grande de bâtisse de tout le village, c'était le château. Après, là, à côté, il s'appelait le château, parce qu'il y avait un château qui a été démoli, ça a été bâti dessus. C'est le château. Derrière, vous avez encore les... Oui, les machins. Les cultives, les... Ouais, ouais, là, ouais. À côté de chez Monoc, il y a la tour. La tour. Il y a la tour qui est habitable. Il y a une tour? Oui, une petite tour, ronde. Qui est ici, là? Ici? Il va. Ah. On va prendre la clé, peut-être. Hein. Oui, ok, d'accord. Mais non, on passera par là, ça va. Ok, d'accord. Allez. Alors après, là, vous avez tout le luxe tout neuf. Qui a pratiquement jamais servi. Toute la plomberie, l'électricité, c'est tout fait, c'est Resplendy, hein, tout ça. C'est Resplendy qui a fait tout ça. Ouais. Ouais. Donc c'est encore valable ça. Ah oui, tout ça, ça marche. Ah, ça c'est valable. Ah, là, ok. Il y a pas de cloison, mais c'est une toilette. D'accord. Et ouais. Après, bon là c'est une toilette. Tout ça c'était pour éviter les parties communes. C'est tout ça. Sinon, oui. On est parti pour les escaliers communs. D'accord, ouais. Parce qu'il y avait toute une famille qui habitait ici. Voilà. Ok, ouais. Comme dans le temps, tout le monde habitait ensemble. Pépé, mémé, grand-mère, voilà, tout le monde. Non, là, ça, c'est pas une cité fonctionnelle, il y a l'eau chaude et l'eau froide. Hein. Bon, mais fait, s'il faut casser, il faut casser, c'est pas. Il faut refaire ou quoi? Tout refaire, ouais. Ouais, ok. Voilà. Ouais. Là, regardez la hauteur des plafonds aussi, encore là. Ouh, c'est joli, hein, on met, si on met du bois là-haut, ça va être joli. Hein. Il faut descendre les plafonds à 2,50 m. Hein? Il faut descendre les plafonds à 2,50 m, oui. Oh oui. Donc, ça le chauffage, vous avez vu, il fait beau. Hein. Oui. Vu l'épaisseur des murs. Hein. Oui. Voilà. Après, on tombe dans le couloir. Commun. Ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est le même couloir qu'il y a là, au rez-de-chaussée. D'accord. Hein. Donc, voilà. Il est là, ici en il haut. Il se retrouve là. Ah, d'accord. Et après, là, ici, on accède. Après, vous voyez, là-haut. Il y a un très grand grenier, la superficie de tout ça, des deux maisons. Oui. Avec une cloison au milieu. Une cloison au milieu. Et oui, pour séparer entre la partie de mon oncle et de mon père. Ouais, ok, d'accord. Alors, donc, la partie de mon oncle, le toit est refait de neuf, et l'autre partie à nous, le toit est à refaire. Bon, c'est ce toit qui est à refaire. Celui-là, il est bon, il est fait à l'évorite. C'est celui qui donne le devant, là-bas, sur la partie de devant. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Ah, oh, ouais. D'accord. Bon, enfin, si vous voulez monter, on y monte, mais bon, comme vous voulez. Bon, on peut toujours aller voir. Allez. Maintenant, ça peut être aménagé ultérieurement. Ça. Ah oui, en même temps que le toit, hein, parce que. Une fois que le toit est fait. Il n'y a rien qui presse, attention de ne pas vous tenir. Oui, c'est pour après, justement. Si j'ai des amis qui ne peuvent pas avoir de l'argent maintenant, mais qui l'auront plus tard, eh bien, ils viendront s'occupant des travaux, quoi. Voilà, donc là, c'est parti le toit et faites à l'ivorite, elle est bonne. Hein. Et on le voit, il n'y a pas de gouttière, il n'y a rien. Hein.
Les solives, tout ça, c'est Ouais, bon. c'est bon tout ça. Ce qu'il faut refaire, c'est la Non, non, la couverture. couverture, celle-là, elle est bonne, hein. Ah, celle-là, elle est bonne. Celle-là, Oui, elle il est m'avait bonne. dit, Roger, qu'elle était C'est faite. l'autre là-bas qu'il faut mettre. Oui, d'accord. D'accord. Attention. Voilà. Je continue, on parle de chez moi, hein. On parle de chez moi, voilà. D'accord. Là, on rentre chez moi, encore. Donc, c'est Le... là qu'il faut refaire le toit et le conduit de cheminée. Ah, c'est là. OK? Conduit de cheminée et le cheminée et le toit. Voilà. Et là, vous voyez. Avec, Ouais, oui, il faut remettre du bois. Ah ben, on voit des trous parce que c'est le toit qui a ouais. offert. Et là, le D'accord. toit, on a fait faire un devis, il y en a pour 9 000, il y en a pour 10 000 euros. Ouais. Du toit. Et là, vous voyez même là, il y a une fenêtre, le vis, à double vitrage. Hein. Ah, d'accord. Voilà, ça, c'est Okay. notre partie. Mais c'est aménageable dans le Voilà. futur. Mais oui. Hein. Et là, c'est la partie de mon oncle avec le toit qui est refait en ardoise, qui est neuf. Alors là, le toit est Là, neuf. le toit est neuf, il est refait en ardoise, ouais. Oh, Ouais. ça fait une jolie pièce, ça, hein, si Ah, c'est aménagé. C'est du ouf. boulot. Et dessous, c'est fait dessous. Hein? Dessous, c'est fait. Hein. C'est fait dessous. Ouais, Oui. on va y aller, vous allez voir. Ah, mais Mais du toit, là, c'est il dessous. faut refaire tout ça, là. Ah, mais oui, mais là, il y a de quoi. Et de faire, Il y ouais. a de quoi faire 3 ou 4 appartements, hein, si vous voulez. Hein. Oui, bien sûr. Oui, Il n'y a oui. pas de souci. Hein. Oui. Si les mairies n'ont pas de quoi louer, en particulier, Ah, ça, c'est la cheminée. c'est la cheminée là, qui monte, là, voilà. Ah, Et le ça, voilà. là, ça, c'est la tour, ce que je vous dis là. Ah, c'est la tour, On va y ça. rentrer dedans, On on va va y y aller. rentrer dedans. Ouais. Ah, d'accord. Donc ça faisait partie du château qui est en ruine derrière. Aussi, c'est tout l'ensemble. Ah ouais. C'était tout. C'est tout, tout, Qui tout, a tout là. été... Alors, c'était à nous, nos ancêtres qui étaient avocats, qui étaient curés, qui étaient. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Docteur. Ah ouais, d'accord. Voilà. Mais ce château et tout ça a été fait quand ils ont eu démoli le château cathare, là. Oui, voilà, Avec Richelieu qui a tout ouais, fait, tout qui a le tout fait, tout, rasé. ouais. D'accord, ok. Voilà pour ici. Ouais, d'accord, Et on va c'est aller bas. voir la Hein? partie de mon oncle. Ok, Attention, d'accord. en descendant. Ouais. Oui, c'est sûr que Attention, hein. c'est dangereux. Ne pas se tenir la râpe non plus, parce que si on part en bas. Voilà, mais là, tout ça, c'est tout du bois à jeter et à remplacer. Hein, Oui, bien sûr. Ben, ça dépend comment ils veulent l'aménager, c'est toujours pareil. Ah ben oui. Oui. Ouais, finalement, tout ce bâtiment est plutôt accessible pour un groupe d'amis qui veulent faire plusieurs appartements. Vous rendez compte, si vous Et faites parce un que... appartement au rez-de-chaussée, un appartement au premier, un appartement là-haut, ça fait 3, un autre là-haut, ça fait 4, et un là, ça fait 5 ou 6 appartements, vous pouvez faire. Déjà de ce côté-là. Ouais. Sans parler de l'autre bout. Si on parle de Non, tout si, là. là, tout, si, tout, Tout. le tout, vous faites 6 appartements. 6 gros appartements. Six gros appartements. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, pas des studios, cabines, Ouais. pour le ski, là. Et là, ces portes, ça va où ça? Et ça va chez mon oncle, c'est des parties communes que je vous dis. D'accord. Mais quand on y passe par un autre endroit. On va y passer par chez lui, D'accord. puisqu'on a fermé chacun Oui, notre chambre à d'accord. côté. D'accord. D'accord. Voilà. Oui, j'ai des jolies pièces. Hein. Ah, il y a de la place, hein. Donc, ces murs, c'est tout de la pierre, C'est non? tout en pierre. Regardez l'épaisseur. C'est pour donner une vue de l'épaisseur. Regardez l'épaisseur du mur. C'est ça les murs? 1,50 m. Ouf. Il n'y a pas besoin d'isolation. Hein. Il n'y a Oui, pas besoin mais d'isolation. non, attendez. Vous n'avez pas isolé un mur qui fait 1,50 m. Ouais, Le froid, d'accord. il ne va pas partir. Hein. Oui, Et le oui, chaud ne va pas partir, le froid ne va pas rentrer. Hein. oui. Oui. Regardez, il n'y a pas de chauffage, il fait meilleur que dans une maison chauffée. Je suis meilleur que dehors. Oui, que dehors. Bon, t'as déjà fermé, là on ne démarre pas. Ouais. Contre, là je vous dis, le gars, s'il veut faire qu'un appartement ou 10 appartements à la il peut faire le garage là. Hein. C'est lourd, il fait un garage, il fait ça, il se voit déjà, il Ou fait ça. alors cette cheminée, ça vaut peut-être le coup de la garder. Faut voir. Là, celui qui veut faire mais bon, un restaurant ou tout comme ça, une table. Oui, non, c'est pas le Il sujet. aurait. C'est des gens qui veulent habiter, hein. Ouais. Ils veulent quitter les villes et puis Ah, d'accord. venir habiter ici. Hein. Bon, Bon, donc on va alors appeler. on ressort. Non, 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 on va passer par là. Ah, on passe par là, oui, d'accord. Ok. D'accord. En plus, tout le bâtiment, il est exposé sud.
alors là, vous prenez le soleil, le matin il est là. Ouais. Il fait un tournant comme ça. Hein. Ouais. Alors, il est joli, hein, celui-là. Voilà. Cet appartement, il est joli, hein. Là, c'est joli, hein. C'est... Si, là, si. On peut rentrer, hein. Si moi je prends le rôle de gérant, si on est en indivision, je dis c'est moi là. Ouais, c'est le gérant qui habite là. Donc ça fait toujours partie de l'appartement du dessous là. De l'oncle, oui, oui, oui. Hein, c'est tout le même truc. Ah ben ça, oui, ben ça a moins besoin de réparation ici. Ah, oui, oui. Pas beaucoup, hein. Et là vous voyez, c'est la fameuse cour intérieure du château. Oh la vache. Avec, regardez, des encadrements de fenêtres comme ça, vous n'en avez pas beaucoup. Oui, je connais. S'il y en a à Kéribus. Oui, Kéribus même, peut-être. Kérigut, il y en a, ouais, peut-être, ouais. Ah, c'est la cour du château, carrément, ça. Ouais. Waouh. Qui appartient à une autre famille, pas à nous. Ah, ça appartient pas à vous. Ah non, non, non. Ça, c'est, vous avez que ça, vous. D'accord. Ok, d'accord. Ah, vous ne serez pas invité par les bretelles, hein. Ouais, de toute façon, personne ne va jamais acheter ça. Il faudrait tout foutre les murs par terre. Ah ouais, ouf. D'accord, ouais, ok. D'accord. Ah, il est superbe, celui-là, c'est bien. Allez. Donc, ouais. Là, il est joli. Voilà. Ça, c'est la fameuse porte qu'il a bouchée, qui donne chez moi, là-bas. Hein, ouais, ok. Ah, et là, on rentre dans une autre chambre. Ah oui, on était dans le couloir, là. Là, on était dans le couloir. C'est le couloir où on était. Voilà. D'accord. Voilà. Et là, il y a une chambre, ici. Ah ouais, avec les bons lits, là, de ma grand-mère. Voilà. Et la fameuse tour. Ah, voyons la tour. La tour prend garde. Donc qui fait partie de... Voilà. Donc qui appartient à Philippe, c'était parti. À Philippe, ouais. D'accord. Oh, une chambre dans une tour. Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Avec le bois, c'est en bon état. Oui, ça, le plafond a été abaissé, parce que sinon il serait en hauteur des autres, là, ouais. Mais c'est une tour, hein. Oui, 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 voilà, ouais. Et ça donne au grenier. Ah, il y a un grenier, là. Mais c'est le grenier où on était tout à l'heure, là, au-dessus. Ah, oui, là, oui. Et donc, il est vachement plus haut. Ça a été abaissé de 1,50 m, ça, au moins. Oui, oui, d'accord. Et là, ça va sur la cour, aussi, que je vous disais. Ouais, la cour de l'ancien château. Voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. Eh bien, c'est tout sourd, oui. Ça, c'est top, top, ça. Ouais, ouais. Et après, ça, ce serait plus à faire un bureau ici, puis dormir à la tour. Oh, c'est une question de goût. Hein. Et là, l'autre chambre. D'accord. Encore une autre chambre. Oui. Oh la vache. D'accord. Oui, oui. Ah oui, bah, on est tout à fait dans les anciens, comme les anciennes fermes, même si c'est encore plus. Ça, c'était le lit qu'on avait le lit à Valdaquin à l'époque. Ah ouais, c'est... On fermait les rideaux pour avoir chaud. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, d'accord. Et le Philippe, il laisse tout ce qu'il y a dedans ou quoi? Ah, je sais pas. Faut voir. Ça, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide, c'est leur côté à eux, voilà. Ouais, ouais, d'accord. Et là, donc, ça donne sur la cour devant. Ouais. Le soleil plein la montagne en face. Et... Oui, oui, ouais. Oui. Ah ben, c'est bien aussi comme bureau, ça. Voilà. Voilà. Ah ben, il est grand, cet appartement. Hein. Ouf. Il y a, je sais plus combien il a mis. 176 mètres carrés, je crois. Ah ouais, d'accord. Ok. Un truc, ouais, comme ça, dans ces eaux-là. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, top niveau, là. Top, super. Voilà. Voilà. Donc, après, c'est fini, après. Ah, là, c'est fini. C'est tout fini. Voilà. Ça fini. Appartient à quelqu'un d'autre. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Une famille Miss, mais quelqu'un d'autre. C'est pas de l'autre côté. D'accord, d'accord. Voilà. Oui, d'accord. Alors, on est rentré par là. On est rentré par là, mais bon, oui. D'accord. Ok. Hein? Ouais, c'est joli, ce salon. Hein? Très bien. Ouais, ouais. Ah, il y a aussi une cheminée, là, oui. Oui, aussi. Et elle marche, celle-là ? Elle fonctionne, oui. Elle oui, bien sert. Il y a le bois, il y a tout. Ah oui, je vois, ouais, ouais. Ouais. Ouais, d'accord. Ok.
Et ouais, c'est joli, hein, super ça. Oui. D'accord. En fait, vos familles, elles descendent de ceux qui ont construit le château ou non? Ah Non. oui. Ah oui. C'est à nous depuis 1800 et plusieurs. Ah, ok, d'accord. Oui. D'accord. Ça, tout le temps, est à nous. Oui, d'accord. Oui. D'accord. Voilà. Pour les côtés, rien que ça. Ah ben parfait. Continuons. Nous voyons ici le bâtiment avec la grosse cheminée. On voit pas bien la tour, mais une tour dedans. Et on voit que la moitié du toit est refaite, l'autre moitié est en refaite. À refaire. Coup de la réfection par un bon couvreur qui travaille bien dans le coin. On m'a dit 9600 euros. Pour refaire le toit. Ensuite, vous avez vu dans la vidéo tous les travaux qu'on peut faire dans la partie de droite, où on peut faire au total donc 5 appartements en rajoutant celui de gauche là, que étant donné que c'est moi l'organisateur et que je serai une sorte de gérant. Suivant la formule juridique qu'on va prendre, moi je me prends l'appartement qui est disponible là, hein, une fois qu'on aura conclu l'affaire. Et ensuite on fait des travaux donc pour les appartements d'à côté. Alors, ceux qui possèdent le milieu, là, la partie où le toit est refait, ils habitent à Châteauroux, donc ils vivent plus ici. Une fois que c'est vendu, ils ont plus besoin des terrains. Donc il y aura ici au bout là, alors ici c'est le jardin que Georges a fait, le gars que j'ai rencontré là, qui est super branché et qui fait de la permaculture, des trucs dingos. J'aurais dû enregistrer, mais on l'enregistrera une autre fois, enfin une vidéo spéciale, parce qu'il a des méthodes de culture spéciale. Et puis il a également des méthodes d'isolation de maison avec du chanvre. Le chanvre qui supprime une grosse partie des ondes électromagnétiques, y compris de la 5G. Donc ce bâtiment est à isoler dedans avec de la paille de chanvre mélangée à de la chaux. Mais déjà, comme il a dit, les murs faisant 1,50 m. La chaleur ne s'en va pas et le froid ne rentre pas. Donc c'est un bon bâtiment, une bonne maison. Une fois que c'est tout rénové dedans, c'est facile à chauffer. Alors donc ici, ce serait ça, hein. Au bout du jardin là de Georges, on fera une vidéo spéciale avec Georges, tellement il a des choses à nous raconter. Au sujet des cathares et de tout, c'était un haut lieu cathare ici, la maison des parfaits. Tiens, je vais aller vous la montrer. Donc il y a une partie là de jardin, de terrain qui appartient au cousin qui possède la moitié du bâtiment, et ils peuvent vendre ce morceau là. Et ici c'est 400 euros l'hectare, je crois. Le terrain, ça vaut rien, quoi. On voit toujours la partie du bâtiment là-bas. Au-dessus, on voit bien la grosse cheminée. Alors, la partie de gauche, il y a une cheminée qui marche. La partie de droite, il y a une très très grande cheminée. Ben, vous avez vu ça dans la vidéo.
Ici, il y a la mairie. Et ici, nous avons un petit chemin qui va dans des jardins. Ici, ça, c'est le jardin de Georges, avec qui on fera une vidéo, qui doit nous expliquer plein de choses sur ses méthodes de permaculture, plus sur ses méthodes d'isolation de maison avec de la paille de chanvre, qui bloque donc, comme je l'ai dit, les micro-ondes, même la 5G, etc. Alors, logiquement, ceux avec qui on va discuter pour la vente du bâtiment, là, que vous avez vu, je réannonce l'appartement qui est habitable. C'est normal, c'est pour moi. Je suis l'organisateur de tout le truc. Je fais bénévolement tout le travail énorme là sur Internet. C'est d'ailleurs grâce à ça que vous arrivez et que vous pouvez donc venir habiter ici. C'est quand même grâce à moi. Donc moi, je me réserve l'appartement qui est existant et qui est habitable. Dès que toute l'affaire sera faite et tout l'immeuble vendu. Ensuite, il faudra fabriquer d'autres appartements dans ce que vous avez vu sur la vidéo. Mais c'est faisable, de toute façon, on trouvera des systèmes, soit avec des artisans, soit avec des gilets jaunes qui ont perdu le boulot et qui sont aussi des artisans et avec qui on se débrouille. Pour qu'il fasse ce travail, il y aura besoin d'argent à ce moment-là pour faire tous ces travaux. Alors ici, nous sommes donc au bout, je pense, du terrain de Georges. Voilà, c'est son petit terrain. Et on arrive ici, normalement, à des terrains, probablement, oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est des terrains. Tout ce terrain-là, voilà, ici. Et vous voyez qu'il est très, très bien orienté au soleil, parce que soleil levant, on voit bien l'heure là, je sais pas exactement l'heure, mais c'est ensoleillé impeccable, ainsi que le bâtiment là-bas, on le voit, il est super ensoleillé. Alors ici, ce sera donc la partie des jardins, où on peut faire bien entendu un jardin communautaire, comme on ça se fait de plus en plus en permaculture. Donc ça, ce serait le terrain que normalement une partie de la famille qui possède le bâtiment devrait vendre sans problème, parce que s'ils vendent le bâtiment, c'est la jungle ici. Donc ça, c'est donc probablement à acheter à part du bâtiment, mais ça vaut 400 euros l'hectare. Enfin, ça vaut rien du tout, le terrain ici. Ça vaut rien du tout. Donc ici, on a toute une partie donc de terrain, de jardin. On voit bien que c'est un jardin complètement à l'abandon. Voilà, tout ça, c'est à utiliser comme jardin. Il y a quand même pas mal de place. Ça peut faire un super jardin communautaire ou comme tout le monde dit ici, puisque la plupart des gens ici habitent à des altitudes de 900 mètres. 900 mètres, on peut cultiver, ça va. Au-dessus, c'est plus difficile. Ce qu'il faut faire, c'est des serres, comme a fait le gars que je viens de rencontrer, là, Bernard. On voit qu'il a monté une serre là-bas. Donc, il faut monter le même genre de serre ici. Ou déjà, ça pousse pas mal, puisqu'on a vu que le Georges, il a... On va pas y aller, mais il a fait pousser des topinambours, des choux de Bruxelles, des trucs dingos, qui poussent tout seul là, avec son système à lui. Donc ça, ce serait le terrain qu'on pourrait obtenir par donc les cousins qui vendent le bâtiment là, avec celui que j'ai rencontré, toute cette famille. Alors ici, on a donc du terrain à défricher, etc., etc. Il y a ici les tuyaux.
que tous les jardins ici ont des tuyaux qui viennent arroser avec l'eau de montagne qui a été créée par un abbé qui a pris des gens bénévoles il y a longtemps. Hein. Il y a une statue en son honneur dans le village. Là, ça peut servir ça pour mettre de l'eau. Alors, l'arrivée de l'eau et quelque part par là m'avait montré. C'est ici, je crois. Enfin, on voit tous les tuyaux là, parce qu'il y a un canal. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher de l'eau à la rivière. Hein. Il y a le canal. Alors ça ne doit pas faire partie du terrain qui sera vendu hein, avec la en accessoire à l'immeuble qu'on voit bien là-bas. Voilà, l'immeuble là-bas. Hein, donc tout ce terrain-là, hein, avec probablement encore un arbre à couper qui fera du bois de chauffage. Et là, c'est donc de l'eau de montagne qui coule ici, absolument, sans aucun adjuvant chimique, rien du tout. Alors ici, il y a le canal des dérivations qui a été fait par les gens du village. Voilà, alors, c'est ici que... bon, ça s'est cassé, mais c'est à ce tuyau-là que Georges accroche tous les tuyaux qu'on a vus là et qui vont donc alimenter tout ce terrain qui deviendra un jardin en permaculture. Et Georges, il utilise aussi la même eau, hein. Il y a tout un système et ça vient donc du canal. On voit d'ailleurs ici les tuyaux des autres usagers, hein, de Bernard et de tous ceux qui font des jardins par là. Là, c'est donc la dérivation du canal qui vient d'un col en montagne, l'eau, grâce à un abbé qui a fait du beau travail. Là, voici donc l'arrivée de l'eau. La même eau que le ruisseau, mais qui vient directement là, grâce à ce canal qui est devenu ben, un tuyau d'arrivée d'eau de source super top qui fait pousser des super légumes par ici. Et il y a même un bassin pour aller se baigner. Ah bah pas maintenant. Hein. On viendra ici, on fera d'autres vidéos avec ceux qui font partie de notre groupe. Alors ça, c'est donc la super rivière qui vient d'un col là-haut. Et là a été fait un canal pour alimenter les jardins. Oui, on peut même creuser un peu et faire un bassin pour se baigner. En été, évidemment. Voilà, et c'est une eau de top niveau. D'ailleurs, les gens disent qu'ils ont des légumes formidables ici. Hein? Alors, attendez, alors après, je vais vous montrer la maison des parfaits cathares et vous expliquer un peu plus. Allez, on repart donc vers ce qu'ils appellent le château ici, qui est donc... dont une partie est à vendre, hein, là, c'est la partie qui sera achetée par ce groupe d'amis et on va regarder au niveau juridique comment on organise la chose. Donc ça c'est l'ancien lavoir du village et on voit bien que du canal, parce que cet abbé avait fait ça pour alimenter justement en eau de source de montagne le village et que les gens puissent cultiver et survivre. Alors ici, c'est la même chose. Il y a probablement des tuyaux qui peuvent s'emmancher ici, mais il y a déjà l'autre ouverture, l'autre tuyau qu'on a vu là-bas. Hein, voilà, il y a encore des possibilités d'amener l'eau, probablement pour le jardin en permaculture. Puis, de toute façon, les tuyaux, ils sont là déjà. Vous voyez bien là. Les tuyaux, ils sont là. Tout est prêt, hein, là.
Il n'y a plus qu'à brancher les tuyaux et à défricher donc ce terrain qui sera sans doute vendu au prix habituel d'ici, qui est de 400 euros l'hectare. Voilà. Et en plus, il n'y a peut-être même pas un hectare. Bon, évidemment, il y a beaucoup de bois récupéré, la forêt, il faut voir, etc. Ah, maintenant, on va aller vous montrer la maison des Parfaits Cathares, qui logeait ici, c'était donc un haut lieu hein, de passage et d'habitation, parce qu'il y avait un château cathare avant.